Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbes s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbes. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Téléspectateurs, téléspectatrices, RTVC, bonsoir. C'est l'émission Analyse qui rentre la carte. Pays d'Haïti connaît toute qualité régime politique, toute forme pouvoir. Sorti dans la royauté pour passer dans l'empire. Et je dis à là, nous vivons dans la République. Mais ce n'est pas je dis à dans la République. Côté l'État, il est séparé entre un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir judiciaire. Et si nous comptons pouvoir décentralisé qui sorti dans la collectivité territoriale, ce sont l'autre type de pouvoir qui montre que le développement pays a passé par un développement intérieur qui lui-même a monté, sorti dans la section communale pour arriver dans la commune et puis on parle dans le département. Donc, le pays a, puisque il fait choix république, il dit liberté, égalité, fraternité comme slogan ou bien devise, et puis l'union fait la force, ça qui est slogan par nous, eh bien, il faut nous respecter. Règle jouette là, dans la République. C'est peut-être ça. Système représentation à représentativité de l'État, l'Ichita, sous un Parlement. Ou bien un pouvoir législatif qui gagne là-dedans, la Chambre des députés et puis un Sénat. Le pays a passé par plusieurs phases. Côté, depuis en 1806, sous le gouvernement Pétion, sous l'administration Pétion, nous avons gagné un Sénat. Et quelques années après, nous avons gagné deux chambres. Qui vient de faire que Chamsa yo, yo représente le pays territorialement ou bien administrativement et son pouvoir à part qui fait que la souveraineté pays a les séparé en trois pouvoirs. Pouvoir exécutif là, pouvoir législatif là, pouvoir judiciaire là. Et puis, gagne appui, pouvoir décentralisé qui en dans pays a, qui fait que l'on vive dans la République et pour faire choix démocratie à l'état de droit, faut qu'on arrive dans un moment pour chaque pouvoir faire des affaires par eux, qu'on dit Montesquieu t'a dit, côté l'État fait pour capable de marcher, côté un pouvoir, arrêter un pouvoir, et il faut qu'il y ait une liberté politique de telle sorte qu'un citoyen ne doit pas craindre un autre citoyen. Donc, là, on parle de pouvoir législatif, là, son gros pouvoir. D'ailleurs, les gens qui étudient le phénomène politique, en sciences politiques, ils disent que c'est véritable pouvoir parce que c'est lui-même qui pilier. Qui représentait le peuple, qui représentait le pouvoir et la population au gain dans différents niveaux, surtout dans chaque découpage territorial. Et pour nous comprendre comment va le Parlement, je dis à la en 2016, est-ce que son Parlement a fonctionné ou bien est dysfonctionnel, nous invitons pour vous un parlementaire qui lui-même est passé député et est passé sénateur, en façon pour nous capable de garder. Capable de répondre à la question pour qui ça le pays a pralé mal et le plus souvent, on dit c'est parce que le Parlement n'a pas fait travail. Bonsoir, sénateur Steven Benoît. Eh bien, bonsoir, Romare. Son plaisir pour nous recevoir dans l'émission Analyse. Eh bien, son plaisir pour moi répondre favorablement à l'invitation. J'espère à travers l'échange nous pouvons le faire, la population pourra comprendre mieux le travail parlementaire là et pourra comprendre tout, difficulté qui en bas. Et il peut-être pas le comprendre, peut-être manque de production dû à paresse de une grande majorité de parlementaires. Tout. Avant de répondre à la question, comment va le Parlement haïtien en 2016, dis-moi, qui est-ce qui est sénateur Steven Benoît? Bon, dans la cinquantaine, là, c'est comme de la son taureau, est né le 21 avril. Donc, mes parents, c'est mon casal, que je suis fier de toujours dire, petit village, pour cabaret. Et moi, dans le très tôt, je fais vivre ma pension parce que par exemple, j'ai obligé de fuir la dictature du Valier. Et je fais classe pensée Louis Gonzague, après je suis à l'université de l'autre bord. Je fais 10 ans aux États-Unis. Et en 1993, je me suis tourné, je ne suis pas arrêté. En 1993, je me suis tourné dans le pays. Et rêve, moi, je suis fonctionnaire de l'État. Et je me suis dit, l'homme de 7 écoliers, je suis fonctionnaire de l'État, il devait être un bagaille. Lors de nos ministères,
entrer dans le ministère, déjà il est sous concours. Et le travail du ministère, c'est un travail qui était apprécié de la population. Ce n'est pas n'importe qui qui est capable dans le ministère et de un comportement pour gagner lorsqu'on fonctionnaire, même dans la plus bas échelle là. Et même d'entrer dans la plus bas échelle là. Tout. Et c'était un rêve, moi, de fonctionnaire d'État, je fais. Après quelques années de déception, je quitte le mal dans le privé. Je viens travailler dans Kinam Hotel. Je viens manager Kinam Hotel pour la suite. Je viens quitter Kinam, je viens faire le Regency que tout le monde caribe connaît. 43 rue Magny. Oui, 43 rue Magny, un sports bar, je fais réception, tout, mariage, tout, tout bagaille. Et puis, à travers le Regency, peut-être, à travers Bal, on a fait des suites Mickey Tropicana, Jacques Musique. Un peu de monde vient apprendre qu'on aime comme son monde facile, un monde de bon commerce, un monde sympathique. Et puis, c'est ça peut-être qui propulse moi devant la scène. Et le vin gen élection pour député en 2006, en 2005, un pile moun parti politique que m'a côtoyé vin chercher, yo di moi yo fait enquête sur le terrain, yo wè ou nèg koum tap kap fon bon député vu son moun bon jan rectiligne fonctionner, bon jan moi entre jan avec moun, bon jan comporter mon société a. Yo pense m'a pour bon député et puis reste là c'est l'histoire. Mais vini ou nan politique, m'a finement suivi li. C'est en 2006. Mais bon, bien avant, il y a des engagements communautaires, politiques. Je suis des social-démocrates, parents social-démocrates. Donc, l'homme entre en Haïti, je suis militaire au sein du CONACOM. Ah, voilà. C'est que grand frère, Jean-Robert Martinez, Thibaut, docteur Martinez. Ah, ok, mon Jacques. Je me levais dans la pension chez les Martinez, donc Bob était un grand frère pour moi. Donc, l'homme entre ici en 93, Bob accueillit. Lui remettre Micha Gaillard, moi, père à son âme, ce qui est une meilleure amie. Je me salue, moi. Et le montrer dans le Conacom, mettre Ben, qui est un coup papa, Victor Benoît, lui remettre moi Micha. Donc c'est Micha pratiquement qui. Bon, toute formation politique moi, en Haïti. Donc, je suis militaire, quand vous êtes social démocrate, je me suis dit sens politique, tout. Mais tu as l'administration publique. Donc, le montrer dans le Conacom, je suis Ben, moi. Et nous avons bataillé pour le retour à l'ordre constitutionnel, parce que nous-mêmes, social démocrate, nous croyons que. L'on moun gen un mandat fol fin fè mandat souvle prend place moun nan fwa an élection, c'est comme ça tout social démocrate pensé. Donc depuis là m'a pran expérience avec Conacom, mettre Ben Micha du Roy Cantav et les frères et Gabriel et équipe ça yo et Jean-Robert Erreur. Donc c'est tout moun ça yo, Jean-Robert Vaval, c'est tout moun ça yo t'ap fò même. Et pendant dans le privé samedi matin coup de 8 heures, c'est une Conacom. Donc c'est comme ça que je et puis je suis obligé de faire un retrait. Le seul, heureusement ou malheureusement, il m'a fait le marier. Le seul, je suis venu à président Préval. Le président Préval a insisté pour me venir travailler avec le seul dans le palais. Il était un difficile pour moi. Je vis conviction. Pendant que ma milité mon parti qui part au pouvoir, et puis ma travail dans le palais national à un autre parti. Donc, j'ai écrit une gentille petite lettre, m'expliquer pour des raisons X, Y, que je ne peux pas militer dans le parti encore. Il avait compris, il était répondu à une lettre tout. Et depuis lors, je suis dans le palais, ma famille a associé la passée au pouvoir, mais je suis aidé seul, qui était un diplomate. Vous voulez parler de Gazi Préval et Jerry Benoît. Elle était diplomate à Washington, donc c'est à partir de là que le président a rencontré, le président est tombé amoureux. Puis, je suis venu à la travail avec elle, et entre-temps, je suis venu pendant ma travail, et Ritzkin a tout. Donc, je suis toujours avec tout. C'est des journées de 18 ans, je suis toujours gagné. Et puis, après ça, je suis venu faire Régency, je suis là, en 2001, le président a quitté. Et puis, de 2001 à 2006, c'était Régency qui a travaillé, tout le monde est toujours sur un terrain Caraïbe. Et puis, à partir de l'expérience politique, je suis acquéri, soit dans le ministère des Affaires étrangères, soit dans le ministère de la Culture, je suis conseiller ministre Bajeux. Soit au ministère de la diaspora, parce que comme diaspora, je suis allé si Voltaire, pour moi c'est une meilleure intellectuelle. Comme ministre haïtien qui a pu valider. Et pour moi c'est un monde de bien. Et le monde ça a tout, il a contribué à bon pile d'expérience. Donc fort de l'expérience, trois ministères ça a plus palais national, plus Oram de Vingain comme propriétaire de bar. C'est ça. Donc il était tout indiqué, on est quand même moins. Je ne peux pas gagner l'élection, effectivement. Très facilement. Mais justement, bonne petite précision sur tentation pour vivre comme entrepreneur ou comme politique. Bon, femme tout, pendant, même son citoyen à part entière, donc pendant propriétaire de bar,
lis nouvelles chaque jour. Je participe à l'élection, je vote, je suis comme mandataire, je suis. Et vous suivez élu qui est dans la commune ou en tout? Oui, je suis élu, il y a un département, mais à travers le pays. Parce que je suis en train de parler, je regarde la même séance. Surtout pas qu'il y a toujours des gens pour les gens qui font des déclarations du peuple. Et je n'ai pas fini de travailler, ce n'est pas un mal, je veux dire, non. C'est depuis quelque temps. Et vous entendez tout, élu du peuple qui n'a pas de drogue. Qui n'a tout mauvais bagage, qui n'a fait deal. Qui n'a fait deal à le palais, à le primature, à le ministère. Trafic. C'est pas d'aujourd'hui. Trafic d'influence. Mm-hmm. Donc, je n'ai pas suivi tout le bazar. Et moi-même, je me suis dit, si M. Sayo ou Mme Sayo, cap député, sénateur, moi-même, cap député, je cap faire mieux. Mm-hmm. Je pense que moi aussi formé, peut-être mieux formé que beaucoup d'entre eux. Honnête, ça me suit à l'enquête de la donne. Je compte travailler là. Je dis, moi-même, cap faire là, surtout que moi-même, mes pays. Donc, je dis, faut quand même qu'on fait facilement et puis m'entrer dans le Parlement, ou dès la première semaine au Parlement, tout le monde connaît un député de Stephen Benoît. Mm-hmm. Parce que je devine, je fais travail. Moi. Et je dis à moi aller en janvier. J'espère que je suis rentré pour la grande porte, m'espérer en janvier, je suis sorti pour la grande porte. Et après 10 ans au Parlement, on va entendre si Stephen fait deal, si Stephen prend comme, si Stephen fait raquette. Donc, et papa Mtou qui mourut l'année dernière, il a retourné encore dans. Et le secret pour le temps petit garçon là, pour que je ne pas me monde honnête, pour le temps ou même maman qui est encore vivante, pour le temps que je fais deal sur le peuple là. Très bien. Sénateur Steven Irvinson Benoît, bonne outil histoire de parlement haïtien avant de rentrer dans qui j'en lié. Bon, je ne suis pas historien, mais livre nous lit. Je nous lis, parlement haïtien, c'est sous pétion. Parlement haïtien, c'est-à-dire qu'on avait d'abord le Sénat en 1806, et puis 5 ans plus tard, on devenait chambre députée en 1811, ou sous Pétion, tout le sous Pétion allait en 1818. Donc, Parlement, c'était démocratie, bon, on est démocratie, elle prend le temps, jusqu'à faire un peu arriver côté de Bourinvea, c'était un système check et balançant, pour contre, pour bagarre, mais pas oublier. Équilibre. Équilibre, pas de j'aime qu'on fait bien, parce que, ou pas de gagner des présidents démocratiquement élus. C'est des généraux, en grande majorité jusqu'à Michel Aurès. C'est chaque nègre qui a plus gros poètes, qui a plus gros âmes, qui a peut-être blanc américain, mais blanc allemand, blanc anglais, blanc français, blanc espagnol d'ailleurs. Il n'y a pas de problème à Haïti, il y a un bateau de guerre, ou un bateau de guerre où c'est un rat de bord au prince, et pour une troupe révolutionnaire à Fort dans le nord ou dans le sud, depuis la Mansou, dans le piqué ou dans le caco, qui a pris très vite le pouvoir, et le Parlement en général, chaque président monte le crasse le Parlement, il vient dans l'autre constitution pâle, et puis ses partisans pâles. Il va le faire élu parlementaire. Donc, depuis longtemps, ou des à part quelques rares exceptions, ou bien des parlementaires, j'approuve. Parce que c'est président, pas les fonds général, c'est pas un civil. Chef militaire. C'est chef militaire, assez souvent, qui déplace même quand il fait campagne, qui dit un exalté sénateur. Mais il y a eu des exceptions. Hein. Non, bien sûr. Mais en général, ou des parlementaires, j'approuve. Jusqu'à Duvalier, bon, peut-être avant de sous-estimer, peut-être sous ma gloire, ou des parlementaires. Bien solide, puisqu'il y a parlé de Émile Saint-Lô. Oui, mais il y a beaucoup d'autres. On parlait du député Kabesh, oui, Gounaïve. Oui, et mes travaux là-bas, j'aime faire le contrôle. Parce que imaginez, un simple civil qui soit Timarigo, on parle de Saint-Maurice Pascal, par exemple, ou bien un Alexandre Le Rouge qui soit au Cap, après très bon au presse, qui dit ou pas le contrôler du Valais. Et ouais, il refait élection, Le Rouge joue plus près de nous, sur la Valas, ouais, il refait élection. Accuse plus jeune au PL de Dame Marie, toujours gagné après 3-4 tours d'élection. Donc, il y a toujours une exception, ça, qui pape dit j'approuve, mais voyons toujours minoritaire jusqu'à aujourd'hui, côté que contrôle de l'exécutif n'a pas jamais fait. Et l'oreille, si on va faire contrôle là, c'est ou bien il y a un coup d'État, ou bien le gouvernement descend, président à travers un ministre, il voit un mallette comme une valise, comme en bas, et puis comme tout n'est pas fini, su qu'on mette dans le Parlement, si on va bouger la semaine prochaine. Et là, comme à l'époque, ou pas de gagner internet, ou pas de gagner télévision, ou pas de gagner Caraïbes qui dans tout le pays. Donc, on a qui peut pas même qu'on est que le point là. Et puis, on n'a pas fait écho. Ou bien trois radios dans la capitale à émettre. Ou bien qui la tortue, qui molle, c'est Nicolas. Pas même qu'on est que le député là, dans un groupe qui peut pas bien député volé. Et malheureusement, député peut-être qui honnête là, pas bien moins honnête lui, parce que, sauf si son député tout qui dit qu'on a fait des bacs, c'était encore une fois. D'où, même des bons temps de parler, mon bon presse qui t'en est, mon grand capre mette les mots, mais il n'y a pas un discours, un débat, parce que je n'ai pas de télévision. Donc, on voit, et puis, combien de monde qui déconne lit, qui déconne lit. Moi, oral. Qui déconne lit moniteur à l'époque. Par exemple, pile, mon on a été collection moniteur pour ta cap lit, débat, qu'on a fait dans le Parlement dans les années 40-50. Donc,
ou bien un parlement qui vient prendre vitesse de croisière, li m'a dit à partir de 90 à partir de 45e côté finalement ou une constitution qui vraiment à caractère démocratique où finalement le peuple pour la première fois peuple a pour aller voter tout bon. C'est pas passé par la chambre, il va élu un président, il va élu des parlementaires et pour la première fois tout peuple a pour voter. Mais on connaît m'attaché avec en pile les Kazek Azek. Donc finalement ou un pays qui commence à décentraliser. Mais avant de arriver dans le pays 45e législature, on regarde l'évolution parlement même. Les faits côté, ils qu'on confond avec l'exécutif là, ou bien qui répète avec l'exécutif là. Trois souvent. Et différence tout qui gagne dans l'élection second degré en série de présidents par rapport à suffrage universel direct là, fait que le Parlement. Les grands fonctionnements en dedans de si on les gagne des âmes combattues mais on les tout les font seul avec administration président la plupart du temps parce que Haïti il justement passé plusieurs formes de gouvernement mais tout les grands présidentialistes qui a mangé le cap manger pratique politique oui, qui fait qu'on pas bon l'exécutif on à la bourse bien séparé l'exécutif à la bourse et le pour délier bourse là c'est à fanatique donc veut dire ou député ou non opposition, ma parole en année 40-50, chariot ou bien une voiture, ou pas gagner. Parce que ou pas président. Donc, on est qui député justement à cette époque, ou t'as aimé des grands privilèges pour venir parler avec René Gouat ou sous ça ou les toxines, ou dire chapeau, à haut de forme, ou pour éviter une grande cérémonie au palais, faut proche pouvoir. Et sous mon petit bar, ou bien fait dans la circonscription Paul, en tout son député la Gonave, sous parlant, oui chef là, président. Ou pas de moyens pour faire même faire des écoles communales ou voulez faire un sagalet ou bien pour être raquette ou bien connu. Donc assez souvent. Ou bien casal quand on sortit. Ou bien casal. Mais en fait, toi, dans le parler de casal là, tu as semblé que Régis Amandine pour nous propose d'avenir tout de suite. Très bien. Benoît. Émission analyse. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbes s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbes. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. L'émission Analyse n'a pas établi son fonctionnement parlement. Comment va le Parlement haïtien en 2016? C'est question ça, et sénateur l'Ouest là, Steven Irvinson Benoît, a essayé de répondre avec nous dans l'émission Analyse là. Sénateur Benoît, nous t'es vraiment fonti historique du Parlement haïtien, dans l'évolution, il passait d'un Parlement unicaméral à un Parlement au bon pouvoir législatif bicaméral, et stratégie à, ou bien et mission, pas toujours même, parce que où t'es qu'on gagne des élections au second degré. Pour président de la République là, alors que je dis à là, naturellement, on doit dire que la Constitution 87 amendée, hein, pas d'accord pour gagner l'élection au second degré, sinon que dans la quatrième année, le président qui tape en place là. Mais justement, regardez le Parlement ça, dans le combat que le mené, regardez le j'approuve, regardez le tout, les kembe red, les kembe tête avec le président, c'est ça dont on a regardé. Et qui Jean Parlement évolue? Comment va le Parlement ici? Oui, et on a fait un petit rappel d'où que peut-être nous avons fait à l'heure. Oui. Sous le gouvernement François Duvalier, le Sénat est dissous, devenu son seul chambre unique. C'est ça. Donc, il devient retourné encore monocaméral, c'était chambre députée seulement, jusqu'à 90. Là, on fait première élection, on a dit vraiment le vrai le deuxième grand départ, on devine gagner les deux chambres encore en 90. Donc, c'était important pour nous souligner pour les téléspectateurs. Et là, on a regardé le système de représentation au niveau de Jean-L'État Charpenté, où a dit que le véritable pouvoir, c'est le pouvoir législatif. Bon, son expérience qui t'a faite, parce que constituant ou législateur qui t'a mis la constitution 87 là, il était fort remarque, il a dit que le président avait trop de pouvoir. Et maintenant, il a fait peut-être une erreur, il a fait bailler le Parlement tout trop de pouvoir. Et il a mettre un exécutif bicéphale de tête. Et à mon humble avis, il n'a pas marché. Il n'a pas marché pour cette bonne raison. Parce que l'idée d'avoir un Premier ministre issu du Parlement,
Au Cap-Vert, dans le pays, il y a une grande démocratie, il y a deux, trois grands partis politiques, comme en Angleterre, par exemple. En Haïti, avec 150-200 partis politiques, remarquez depuis 90 jusqu'à nos jours, nous ne pouvons jamais gagner un parti majoritaire dans les deux chambres. Ce qui est extrêmement compliqué, il y a trois partis politiques, et peut-être dans le Nagetan, si nous avons parlé sur la loi, sur les partis politiques côté nous-mêmes, dans 48e, nous avons fait la correction nécessaire pour limiter le nombre de partis politiques. Malheureusement, les sénateurs de la 49e ont tout gâché. On a tourné sur ça le nouveau titre. Bon, ceci étant dit, j'aime du lien en 90, pour moi c'était le nouveau départ, le deuxième départ, le vrai départ pour la démocratie. Et côté où devine mon parlement avec des sénateurs très chevronnés. Ce 45e, il y a un pile grand sénateur, il y a un pile grand député. Je ne vais pas réciter nos noms, mais oui. Des grands députés, des grands sénateurs. Et côté où l'exécutif est des fois en situation difficile. Ratification, premier ministre préval, convocation, interpellation, et nous avons tellement soif de. Ça n'est le système check and balance. Nous avons soif pour. Tic-tic-tic-crac, parlementaire, dit m'a intervenu, m'a convoqué. C'était attente tellement longue. Et t'es une soif pour questionner à boule pour point n'importe petit détail, n'importe petit erreur ou même exécutif à faire. Mais c'était pour moi, c'était une beauté démocratie. Hein. Il fallait contrôler. Et contrôle là, t'es commencé à venir en habitude, malheureusement. C'est toute une pédagogie politique. C'est ça. Et malheureusement, ça n'a pas duré. Mm-hmm. Après 7 mois, il y a eu le fameux coup d'État. Coup d'État. Encore une fois, militaire. Les militaires. Mm-hmm. Nous tournons en 1806. C'est ça. Et ça a fait démocratie à un coup. De 91 à 94, on a eu ce vraiment sanglant coup d'État militaire. Côté des milliers de monde perdu la vie. Mm-hmm. Pour démocratie, il faut ça, le mémoire de ça tous. Mm-hmm. C'est y a 10 chiffres variés entre 3 000 et 5 000. 5 000, c'est ça. C'est côté monde qui prend bateau à Miami, qui mourit dans la mer, tu serais encore des victimes. Bien sûr. Bien sûr. Donc, il a fallu encore le retour à la démocratie en 94 pour essayer que le Parlement recommence à jouer un rôle. Et là, ouais, 46e nom qui était en grande majorité, les opélistes, OPL, mm-hmm. Botab, la famille Lavalas et MOP, etc. Où était gagné au début de parlement, mais malheureusement tout ça vient retomber encore avec les élections de 2000, quand on vient tourner pratiquement avec des députés, des sénateurs, j'approuve. Il a encore une fois malheureusement, il a fallu un autre coup d'État encore pour juguler Christac pour naissance. Oui, et là encore le pays a été vandalisé, pillé, il y a pile gagotte qui fait pour le parlement de venir en phase tout. Autant des droits qui ont le Parlement dit la fête, c'était vraiment le Parlement. Il y a 20 tolls, il y a 20 mouvements, caoutchouc. Le Parlement a débarqué avec toll, avec du riz. Mon président m'a dit faire blague du riz, on fait canard sur. Et à l'époque, on n'est pas fier d'être parlementaire. Mais encore une fois, en 2006, c'était encore un autre départ, un autre nouveau départ. Donc, en 2006, on a eu des élections qui n'ont pas contesté du tout. Et ouais, 48e entrée. Et où est des valeurs sûres, et à la Chambre des députés et au Sénat, et où est le travail parlementaire était fait. Et là, où est que le contrôle a été fait, on a eu des interpellations, on a eu des convocations, mais pas des convocations pour convoquer. On a eu des ministres qui arrivaient devant Cap Tremblay, pas qu'à répondre à une question, et qui étaient rendus coupables de malversation ou de fraude administrative grave. Donc le Parlement faisait son travail. Et malheureusement, 4 ans plus tard, on a eu la législature de la honte, la 49e, côté que mon président, qui n'est pas élu, que des ambassades propulsées au pouvoir, dans le cadre d'il, comme on fait coup d'État, je n'ai pas quitté le président supposé, candidat supposé dans le deuxième tour, là, passé, je n'ai pas quitté 2-3 sénateurs passés pour vous, je n'ai pas quitté 3 députés passés pour vous, ou songer, et les BCRN spéciaux, députés qui n'étaient pas passés, les qui étaient passés, ça qui n'étaient pas passés, le Québec de York, ça qui t'est passé tout bon, ok, mais dehors, et ainsi de suite. Donc, on vient de faire affaire avec des députés. Comme c'est notre deal passé, ce n'est pas le peuple qui mettait yo. Lorsqu'il vient au Parlement, il n'y a pas qu'à faire avec le peuple là. Donc, 49e, non, ouais, c'est. Et on rappelle, le Parti Unité avait 32 députés élus. Et rapidement, tout allait dans le pouvoir exécutif là. Il y a le confronté, on a dit avec exécutif là, il y a tout à la tête calée. Et puis, Unité était avec peut-être 5 députés. 5! Et les sénateurs aussi, puis il faut que tu es élu sous unité
ou bien qui est là depuis dans l'espoir, ou est plus fort là-dedans, il y a le bas à l'échange à tête calée. Donc, on vient de pouvoir parlementaire qui réduit à sa plus cette expression, ou bien deux, trois sénateurs. Donc, on a essayé de faire parlement marcher, mais plus fort parlementaire, on a parlé au Chita, a fait deal comme en 2000. Donc, et ouais, passage de nous dans le Sénat, quand même, dans le passé, bien sûr, à vide. Ou bien groupe 5, groupe 6, groupe ceci, groupe cela. Finalement, travail parlementaire là, que le peuple a dévoué nous faire, pas jamais fait. Le contrôle là, pas jamais fait, ce exécutif là. À travers la corruption, à travers les petits faux projets, ils ont boyé parlement, ils ont boué parlementaire. Après quelques parlementaires, députés, sénateurs conséquents, OPL qui est une plus grosse partie, ou plus fort. Même OPL, il allait, c'est à peine 2-3 députés OPL qui étaient cohérents. Même OPL, hein, le plus grand parti du pays, le parti le mieux organisé à l'époque. Même lui-même, il perd du tout, plus fort député, plus fort sénateur. Donc, tout ça, mais vous nous menez nous là, à 2016, là, à la 50e. Et 50e, non. Là, c'est la législature de la honte. Là où gagnez. En deuxième législature de la oui, honte. Oui, là d'accord. Où gagnez une trentaine. Et d'après commission présidentielle là, et presque une quarantaine de monde qui a siégé dans le Parlement qui n'est pas élu par le peuple. Bon, donc, voilà. L'autre monde, ou élu, ou soi-disant élu, mais ou bien siégé dans le Parlement, mais c'est à coup de quoi ou acheter BCED ou acheter décision, c'est à coup de quoi ou acheter décision dans le BCEN, l'arrivée dans le Parlement, ou pas soucieux de travail, peuple là. C'est pas peuple là, mettons finalement. Et puis, 40-50 000 dollars, vous êtes bâillé dans le BCE, il faut tirer rapidement. Donc, où est-ce que vous êtes vers la richesse rapide? Et les gens qui font deal, les gens qui font quoi, ils ont montré les gens qui sont anti, qui sont contre, etc. Et puis, je dis à là, 7 mois plus tard, le Parlement n'a absolument rien produit. Alors, soit dans le 45e ou dans le 48e, non? Ou après, 2-3 mois après, entrer en fonction, c'est monsieur et dame, c'est des dames tout. Ou pas j'aime dame encore non avec violence dans l'élection qu'on y a là probablement. Donc ouais, production parlementaire là t'es guetin au rendez-vous là ou pas j'aime production parlementaire ou pas j'aime production parlementaire. Et justement c'est ça n'est qu'à briser le dysfonctionnement du Parlement haïtien. Mais avant d'entrer dans le dysfonctionnement, qui soit répondre à monde qui au même dit toute histoire qu'on bat le Parlement depuis 45 jusqu'à 49 ou 50 là c'est un pouvoir législatif qui peut institutionnaliser. Bon, pédagogie parlementaire là pour qu'on passe dans la société, pour qu'on passe à travers l'administration publique, la fonction publique là. Et côté exécutif là, judiciaire là, il est forcé par la force des lois et par la force des choses respecter le pouvoir parlementaire. Bon, pouvoir parlementaire là pour le bien réguler parce que nous sommes 30 ans en constitution. Parce que là, on parle de et contrôle là. Mais ce n'est pas seulement le contrôle qui est une mission, qui est attribution parlementaire. Il y a tout la mise à jour des lois. Non, c'est clair. Le pays a une constitution qui besoin. Le code civil qui remonte à 200 ans. Justement. Le code du commerce qui remonte à 1825. Exactement. Il y a la réforme des codes qui est 1830. Donc, il y a un problème. Donc, on rentre dans l'institutionnalisation parlement. Mais avant d'entrer là. Législatif là. Avant d'entrer là. Ils ont manque pour nous aujourd'hui. Oui, mais pour institutionnaliser le parlement, pour avoir besoin la loi. Mais une loi. La constitution est complètement dépassée. Constitution désuète. D'ailleurs, je dis à là où on est, comme intellectuel, où on est et un pile d'espérateurs qu'on est, constitution soi-disant en vigueur là, sont faux. Bon. Et pas ça qui est voté. Est-ce que c'est pour la constitution? Radio Télé-Caraïbes, il y a une copie cassette et tout. Un dimanche, il faut M. Moussignac résigner, prendre courage à demain, comme la télémission là m'a fait appel là, il m'a regardé. Il faut un dimanche, il passe cassette. Complet. Trois journées de débat et de vote de mai 2011 dans l'Assemblée nationale là et le soir. Ouais. Qui sont les coquins, qui sont les faussaires et qui moun qui t'a boumé pour mentir, pas passer en bas. Et pas oublier, m'te quitté l'Assemblée avec 8h15 le troisième jour parce que ça que t'as fait là, c'était une violation flagrante de la Constitution et c'était son hold-up, son gang qui t'a décidé pour reconstruire un otage puis on va faire ça ou on fait là. En 2011 à 2015, puis on a pillé les dernières maigres petites ressources qui étaient payées. Ceci étant dit, constitution. Je veux dire là, si je demande, et ou même si je suis un guilly, qui est-ce qu'on fait recherche pour demander
bon, deux, trois sénateurs qui pas voté CIRH là. Côté négota pour mettre Clinton pays. Séance de la honte ça. Ou pas songer. Parce que nous pas gagné, ça nous cabre les records, nous pas gagné dossier archive des différents votes. Nous même abgoumé depuis 10 ans pour que le vote soit personnalisé, le vote soit nominal. Au Parlement américain, je veux dire, il y a le vote électronique. Il y a 30 ans, seulement 30 ans, à la Chambre des représentants, ce sont des députés américains, qui sont au nombre de 435. Lors qu'on vote, et qu'on a 8 votes par jour, pourquoi on vote là, qu'on fait? Ils ont cité nom, ils ont fait un tir au sort, à partir de qui l'aide pour commencer. On dit, et l'aide B qui sorti, il a commencé à partir de Bastien, comme de Bastien député, de Bastien sénateur, Kelly Bastien et Clédo Bastien. Ils ont commencé par B. Ils ont cité nom chaque parlementaire pour dire comment voter. Pour contre ou bien absence. Le 435 qui voté là, ils ont fait appel nominal encore pour confirmer votre ou pas dire le ça, ou t'as la toilette ou pas là. Ils ont fait encore pour confirmer votre. 99.9% quoi, on a dit, mais bah, monsieur Mounoso, on a conviction que tu n'as pas fait votre de conviction. Et puis, immédiatement, la liste est publiée à travers le journal du Parlement et à travers pas trop internet. Allez, bon, il y a 30 ans, mais tout le monde, New York Times, Washington Post, tout le monde relevé. Comment chaque député et chaque sénateur a voté et puis le public. Donc, ou même qui besoin prend poste comme député de Pétionville, chaque jour, on regarde comment on vote ou qu'il y a un dossier ou, archive ou non, mon, le poil de l'élection, si je rate 20 votes, donc vote du budget qui est plus important ou bien vote sérieux ou le salaire minimum, ou bon outil dans mon, pour dire population, voici le vote qui a lieu en 2009, en septembre, mais comment le député a voté. Donc, c'est le premier bail qui est pour faire. Et vous ça? Tout autant, ou pour que ça, l'absentéisme sera toujours roi dans le Parlement, parce que le Parlement est à connaître, n'est-ce pas, dans une zone qui est plus reculée, on est, on est, on est, le Parlement, il va travailler, il va venir voter. Et moi-même, je fais 10 ans dans le Parlement, jamais, au grand jamais, à l'époque, il y a 23 députés, pas 99 députés, pas jamais plus que 65 députés qui votent le budget. Donc, il y a 34, pas de voter pour ou contre, non, qui va venir voter là du tout. Donc, il y a 34 personnes. Pendant que vous avez voté le budget la caillou, ou pas même venir faire débat. C'est-à-dire que je veux dire là, vous ne savez pas supposer jamais retourner au Parlement. Et retourner. Donc, vous parlez de constitution, de présence et d'expression parlementaire là. Mais il y a le fait que certaines firmes et de spécialistes doivent accompagner parlementaire là tout pour avoir plus connaissance sur ça l'a fait. Tant en termes logistiques, que dans le domaine que le Parlement. Ça, c'est le premier problème au Parlement. Maintenant, vous avez à peu près 1000 employés à la Chambre des députés et au Sénat. Combien de recrutés sous concours? Pas plus que 10. Ratio, c'est sénateur, député influent qui vient à 10 personnes. Le coup dans le bureau, il dit mettez 20 boulis, mettez un tel, poche président, sénat, poche président, chef député, poche questeur, mettez 15, mettez 20 personnes. Assez souvent, c'est un militant qui n'a aucune notion de gestion ou d'affaires ou de droit. Il ne va pas comprendre rien. Ou de sciences politiques ou de pratiques parlementaires. Par contre, vous comprenez, un politicien ou la campagne ou des militants qui mettent pour vous, vous avez un cabinet particulier. Dans l'État, il s'est bâillé pour le bureau du député, le bureau du sénateur, et un budget ou qui prend 5, 6, 7, 8 mois de vraiment comme moi, payé. Mais, dans le Parlement, et vous pouvez mettre une enquête, vous pouvez mettre une erreur parlementaire en disant, vous mettre un monde en bas. Ce n'est pas parce que vous avez le peuple à travailler. Je pense que si vous avez l'école, qui fait droit, qui fait sciences économiques, non. C'est pour lui placer à réserver, pour le recruter sur concours et il a droit à la carrière. Et le ça, on a 50 avocats au Sénat, 50 personnes qui font droit. On a une centaine de personnes qui font droit dans 1000 personnes qui députés. Et c'est mon qui a produit documents qui ont aidé les députés dans le travail législatif. Je dis à là, soit le Sénat, je ne sais pas quoi. Je suis sûr. Il y a 5 personnes dans le Sénat qui font droit. Mon bien. Par exemple, c'est un jeune député qui fait droit, donc qui a conseillé le député juridiquement. Donc, on va aller de quel côté. Donc, la production sera toujours nulle. C'est nul. Vous savez, nulle la production. Naturellement, il y a des spécialistes qui expliquaient que ce n'est pas même député ou sénateur qui l'a pour faire loi. C'est des spécialistes qui bon, soumettent sous forme de commission, qui ont même préparé ce que l'être. C'est clair. Hein, qui balle nanan, qui balle sang, qui balle chair. Et puis, parlementaire là pour défendre position sous loi. Non, c'est clair. Non, ça veut dire que l'exécutif. De telle sorte que
normalement spécialiste qui dans une banque de loi que lui soumettre nous pour mettre le pays à jour et à l'heure. Oui, là ça c'est travail exécutif là par exemple. Que le code fiscal, que le code du travail que m'a travaillé sur lui là, c'est pas job mais m'a fait avant d'aller c'est ça avant d'aller code du travail moi m'a sorti. M'a fait proposition non si on va aller voter les affaires mais m'a proposé parce que ça pour moi c'est une bail qui toujours que moi travailleur haïtien travail trop dur. Pour combien de bail on a vu tout à l'heure? Oui, on a vu tout à l'heure. Travail, on a besoin de nous. On a besoin de récompense de travail dur. Donc, le code fiscal, le code du travail, le code civil, le code pénal, le code de procédure pénale, le code de procédure civile, le code du commerce, le code maritime, tout ça a daté au moins de 100 ans. C'est ça. Et gain, le code civil, là, c'est presque donc, 200 ans. Mise à jour de pays là, sur le plan légal, parfait. Bon, là, et Parlement, qui vous fait, mais... justement, pour voir législatif, la Chambre des députés et Sénat a défilé. Et là, de législature en législature, mais nous pas jamais à l'heure. Mais là, il y a un deuxième problème qui réside encore dans la Constitution. Parce que là, maintenant, l'exécutif, par exemple, là, on connaît qu'il y a le code pénal comme lui, qui me font, bien fait, code de procédure pénale là, pareil tout, il va le déposer dans le Parlement. Maintenant, l'arrivée au Sénat. Alors, on peut aller de travail et mettre exhumé tes travail fait. Et mettre ma gloire. Mettre ma gloire. Donc, le travail, ça va venir jouer nous là. Il n'y a pas de problème voter. Parce que la Constitution dit, la Constitution, oui, qui est encore le deuxième problème, c'est le balai de plusieurs problèmes pour vous, qui parle montrer, pas porter, pas le montrer, on n'aime pas le bail. Mais il faut que la population capte des noms là, vous comprenez. La Constitution dit, les lois doivent être votées article par article. Le Parlement, les deux chambres, pour y venir ordre du jour pour le voter seulement, pour d'accord sur l'île, pour être le jour de l'île, pour l'Assemblée nationale là. Haïtien, nous avons une hérité de français, nous avons fait la petite dette qui va compter sur moi. Donc, l'arrivée dans l'article 1, vous voyez le débat sur une virgule mal placée. En français, quand il y a 10%, le parlementaire n'a pas exprimé bien en français. Pourquoi ne pas le faire en créole? Il y a du article par article. Il y a une loi 300 articles pour vous. Il n'y a pas de jambonner. Moi-même, j'ai vu des lois passer au Parlement. Quand vous connaissez la Dieu, les gars de Marien, la presse, qui a fait l'article 24. Ceux qui sont pour lever la main. Regardez, article 55, ceux qui sont pour lever la main. Article 125, ceux qui sont pour lever la main. Article 220, adopté. Et ça, vous combien de députés que là? Il y a 51 députés. Pourquoi est fragile? Ou pas si ma pneu a supplié les là? Mais vous courez voter parce qu'il faut avoir un bilan. Ce qui est arrivé au Sénat l'année dernière, il y a deux ans, nous votons 4 lois en moins de 2 heures de temps. Nous ne pouvons pas voter. Nous ne disons pas faire démagogie ça. Que nous changeons la loi, que nous faisons, je ne peux pas faire cet exercice macabre, méchant. Parce que je vais dire, oui, comme vous faites un mobile, on vote. Pour bon, moi, je dis, pour que j'en moue. Ou dis, moi, j'en fais pour le pays. Non, je vais faire justement. Parce que le petit pauvre, regardez, petit, il dit, papa, me vote pas ça, je vais mal faire voter ça. Donc, c'est le deuxième bail qui pour corriger. Parce que dans les autres pays démocratiques, autour de nous, les lois sont déposées, il y a une commission. C'est ça. Les débats se font dans les commissions. Les votes se font dans les commissions. Ou même, c'est affaire logement, c'est affaire salaire, peuple à l'intérêt. C'est logement sur ce qui est intéressant, mais les bases sont intéressantes. On parle de commission, affaire sociale. Si c'est problème économique qui est intéressé, moi, ce qui est mon cas, on parle de commission. Donc, vous voulez montrer que le dysfonctionnement qui gagne, hein, lié à l'intérieur même de pratiques parlementaires. C'est clair, il est dû à ça tout. Donc, là, l'offre fait débat, justement, comme on est intéressé par la chose de l'éducation, je suis bon. Que je compte, je parle de la commission d'éducation pour me dire que moi j'étais FNEA, moi j'étais Sugo, ce sont gagotes liés. Donc c'est affaire de si raquette qui a fait avec des députés qui poche gouvernement, qui a fait l'école, faux élèves et puis comme la gagoté. Alors comme ça, plus de 100 millions qui ont été collectés. Vous avez fait 100 lycées. Vous avez fait 100 lycées. Vous avez fait 200 écoles nationales. Vous comprenez bien, vous avez formé des milliers de maîtres qui vous dire que vous avez fait ça de bon, là, sur le débat, maintenant, je vais tout voter contre FNEA. Je ne peux pas dans la diaspora mal et puis je gagoter dans 6 ans. Donc, deuxième bagage, il faut le résoudre. Lorsqu'il vote, là où il fait débat, article par article, dans l'Assemblée, il prend 3 jours, 5 jours. Pour le oui, voter là, le temps qu'il faut. L'Assemblée fonctionne. C'est ça. Lorsqu'il fait vote ça, ou gagne pour porter devant l'Assemblée, vous dit la commission, après un vote, les membres de la commission recommandent le vote de cette proposition ou de ce projet de loi, et là, ça va y avoir un débat encore. Ouais. C'est pour ou bien contre. C'est ça. Sous des comptes, ou même, ou des dos à la commission, c'est ça. Ou faire. Okay. C'est pas un assemblage pour la baisse. Et dernier. De ça,
chaque jour que nèg la jouer alors que jouer mais ça passe nèg pas vite dans la commission parce que pas caméra télévision qui regarder yo donc commission yo traditionnellement c'est toujours 3-4 moun moi ma c'est à privé de commission finance pendant toute année je fais là commission finance là c'est deux moun qui là moi ma privé ou convoquer et ça que c'est nous qui influencer oui travail oui mais l'homme fin l'homme essaie fin influencer l'homme vient à l'assemblée là nèg qui pas jamais garder budget là mais comme son proche président républicain président dit pas occuper Steven pas occuper c'est lui qui va mettre bâton en haut il dit votez pour sans débat et le budget traditionnellement est voté pratiquement sans débat au parlement depuis 5 ans. Nous pas pour une pause mais avant de prendre pause là, ne pas oublier deux points ça qui fait rendre le parlement dysfonctionnel. Kembel sur à la fois constitution et pratique à l'intérieur du parlement, mais justement gain ça est la construction d'un agenda législatif chaque année ou bien par législature. C'est ça. Que normalement toute institutionnalisation du pouvoir parlementaire au pouvoir législatif était de passer par là. Qui a construit un agenda législatif? C'est question ça, on va répondre. Après nous tourner après la pause. Très bien. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbes s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbes. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Émission Analyse n'a pas établi son fonctionnement parlement. Et nous passer dans un point très très pédagogique pour apprendre pour voir parlementaire là qui s'allie, qui j'allais fonctionner, qui j'allais rentrer dans le dysfonctionnement. Je dis à là, et sous 50e législature, que sénateur Benoît traitait de législature de la honte, même j'ai avec un 9e nom, pour tellement gagner une mauvaise manœuvre qu'a fait pour entrer et dans la cuisse pouvoir exécutif là, tractation pour ne faire l'argent. Pour gérer tête et pas gérer affaire pays. Donc, intérêt personnel passé sur intérêt politique nation, qui vient fait que le Parlement, je dis à la, ou le pouvoir législatif là, lui dysfonctionnel. Sénateur Benoît, qui j'en ai construit parlementaire plus exécutif, naturellement, un agenda législatif. Parce que, ou passer dans un pays qui a fait de grands débats, de bons débats, à un pays qui n'a pas fait de débats sur rien, vous n'avez pas tellement de tête en bas. Bon, à chaque législature, chaque député, en principe, doit faire campagne ou gagner une loi qui est dans la tête ou qu'on veut réformer. Ils ne sont pas obligés. Cap, les gens se disent, ils ne sont pas obligés de faire loi. Moi, j'ai une loi, tu as gardé sous un avocat, on dit, ah, code civil là, il y a quelques articles qu'il faut nous changer, par exemple. Et le gouvernement, le président, qui fait campagne, qui gagne, il faut gagner une vision de pays. Et bien, la vision, ça, il faut porter devant le Parlement. Donc, expérience PAM, dans le 48e, le premier mal qui fait, on n'apprend pas à être député. Mon séminaire qui fait, la première semaine, on retraite, qui montre député, c'est quoi être député et comment fonctionne la chambre, côté européen, tel ou tel service. Immédiatement après, le président propose son agenda aux deux chambres, au leadership. Éventuellement après, le président propose encore son agenda au président de commission, parce que c'est leader. Chef parti, n'est qui plus parti, président de commission générale, n'est qui plus qu'on est. Et éventuellement, il partage encore une fois avec une retraite. Côté que le président dit, mais ça, il y a déjà une cinquantaine, une soixantaine de lois ou de projets de loi ou de codes à remanier, à améliorer. Et puis les parlementaires aussi déposent aussi ce qu'ils ont comme proposition de loi. Et là, prend tout ça, sous durée ou législature ou bien d'une année, d'une année. Ou dit, OK, cette année, nous allons plancher sur à peu près une quarantaine de propositions de projets de loi. C'était le cas pendant toute la 48e, ou après 48e, non, volume loi nous voter, 49e à 50e, mais maintenant, ça ne va jamais arriver à la moitié de ça de faire. 49e, non, ouais, pas plus de 10 lois votées en 4 ans. Parce que le président Matéli n'avait rien comme projet de loi. Et les parlementaires aussi ont préféré s'enrichir, à faire enquête. Et c'est là où on voit dans l'expression loi Sayo, dans le choix de loi Sayo, dans l'orientation loi Sayo, on voit si régime yo, parlement et exécutif yo, et de droite ou bien de gauche. Oui, c'est-à-dire que
Et le régime politique là, dans l'expression loi ça dans orientation, c'est ça, il y avait aucune vision. On cap dou c'est quelques sénateurs qui t'ai déposé loi, t'ai déposé monsieur madame. Mais en veux-tu en voilà. Oui, c'est ça. Et loyo, comme c'est un polycop, il y a deux ou trois lois, qui est très bon. Pour être bon loi sur vente d'alcool aux mineurs, c'est une erreur au pays. Un petit monde qui est rentré dans le bar, lâche ton bouteille, bar beaucoup, rentré dans la boutique, lâche ton bar beaucoup. Ou par contre, c'est pour parler, ou bien lâche ton poste cigarette, à 12 ans, ou par contre, ça ne va pas faire avec. Ou par contre, c'est l'équipe, ou bien c'est l'équipe, ou bien cigarette là. Pas grand qu'un pays qui explique tête, il y a 20 cigarettes à un mineur. Pas grand qu'un pays qui explique tête, il y a 20. Un clairé, un zone de vin, un baban ou un bien à un petit monde qui est moins que 21 ans. Alors dis ou un pito parce qu'on a casé le baban ou. C'est ou un bien whisky. Ça me dit oui. Oui, c'est vodka. Oui. C'est donc, ça c'est ton loi. Maintenant, affaire courante, par exemple, depuis le député me propose loi, il va me voter. L'homme n'a pas l'administratif, ça te donne déjà coup de moins. Je voulais interpréter c'est quoi l'affaire Rouen. Est-ce que ça veut dire que le pays a, je dis là, et a dit 7 mois après 50e législature, il a siégé, pas gagné un agenda. Il n'y avait pas d'agenda pour la 49e, il y a quelques sénateurs qui viennent à l'Ouayo. Et puis, 50e, non, jusqu'à présent, pour les gens qui ne font personne signe, de agenda. Mais Rouen est dans une crise. Donc, même 50e, non, vous comprenez, on n'a pas encore un président, on a vu à l'heure. On n'a pas encore un parlement moins que ça, je ne sais pas, pas de parlementaire, il y a des braques qui ont mis nos postes, qui payent comme ils achètent des postes, même pas loin de ou même pas participer à l'Assemblée nationale, parce que maintenant, il y a une conviction qui fait que les gens ne pas passer au chien en bas. C'est ça. Donc, même, et au grand pouvoir judiciaire qui lui-même, non, ça maintenant. Il manque chef, les gens. Non, ça maintenant, pas crêper sur moi-même, parce que sur les 12 juges à la Cour de cassation, il n'y a que deux qui soient régulièrement, pesés sur moi, régulièrement nommés, parce que c'est le Sénat qui. Dresse une liste qui envoie au Palais national. Et sous mon cap siège là, c'est deux moi-même reconnecté voté en bas au Sénat. Mais j'étais là, dans le bas absent. C'est deux seulement moi-même reconnaître. Sous 12, mais il y a 6 cap siège là. Sous 6 cap siège là, c'est deux moi reconnaître. Et il y a 6 places qui vident, plus 4 autres, avec 10 places qui vident à la Cour de cassation. Bon. Donc, des juges à la l'État n'a pas marché, l'État haïtien à genoux. Oui, donc l'agenda législatif n'existe pas, même plus pour le faire. C'est un général, c'est une entente. Les deux bureaux et les deux conférences de présidents et l'exécutif, premier ministre et président, qui entrent en retraite en général, qui partent en retraite, et pendant la retraite, tout le monde soumet ses propositions au projet de loi. Et puis, c'est là qu'on parle justement du qui nature gouvernement son gouvernement. C'est ça. Et socialiste. C'est ça, Abdou, là. Non, mais ça, c'est comme ça a été fait, maintenant, pour l'expérience PAM, pendant la 48e, d'où. Prolifération de lois qui ont été votées en bas. Mais 49e, le monde qui était là, par contre, ça a fait. Et au exécutif, et les paresseux au Sénat et à la Chambre des députés, on n'est pas réglé. Ou très peu. Et quelques rabais qui réglaient tout. Même la loi fin votée, je prends l'exemple. Ma loi, la proposition de loi que j'ai proposée depuis la Chambre des députés, mais qui fin votée au Sénat, à l'unanimité au Sénat, en 2011, l'IRIV est voté à l'unanimité, 3 ans plus tard, en 2014, à la Chambre des députés. Le président m'a dit, comme c'est Steven qui propose, il n'est pas promulgué. Cette loi n'a jamais été promulguée. Il n'a pas fait objection. Il n'est pas promulgué. C'est une violation flagrante de la loi. Non, pays sérieux, au président, il a même en prison pour ça seulement. Vous parlez de loi sur, la loi sur les affaires courantes. Sur les affaires courantes, ok. La loi sur. Mais ça, le minimum, non, atterri. Il n'est pas atterri parce que la loi a été violée. Et là, en fait, il promulgué, il est publié. Il promulgué, mais pas jamais. Mais qu'on y a, il a besoin que. L'exécutif là-bas, jamais assuré que la loi, ce loi a été dit oui. La loi, bah, un salaire. D'ailleurs, retirer le salaire, mon état est pitié, le salaire, mon état dans la factory. Oui. Alors qu'on est en France, par exemple, au Canada, tout, plus le travail est pénible, plus le travailleur de ce domaine est touche, reçoit un salaire non, c'est sérieux. Clair. Aux États-Unis, où mon cap ramasse fatra. Département sanitation, monde à son monde. Mais est-ce que c'est choix ça nous fait dans un cadre salaire ou salaire minimum? Assez souvent, monde qui arrive au pouvoir là, il vient enrichir tête, il pas penser à des problèmes sociaux. Combien de logements sociaux fait là, c'est venu dans les années. Pour les arrêts, ils font tentative. Mais Caillou là, toujours là. Oui, mais c'est petite tentative, mais son bagage vraiment à petite échelle. Alors qu'il nous faut, on a besoin de 300 à 400 000 logements, unités de logement. Donc,
encore une fois, assez souvent, les gens qui ont des affaires, et pas les gens qui ont plus loin que point de ou bien les gens qui ont pas ouais. Donc, c'est ça. Ils sont là pour enrichir la tête. Et tout d'autant que les gens qui ont des affaires, pas ouais. Misère, pauvreté qui là dans la population, on ne peut pas aller côté. Non, c'est ça. La mission, nous, c'est contrôler. Mais tout mise à jour. Il y a pour répondre finir la question ça. Oui. Il y a pas d'agenda législatif. Il y a pas d'agenda législatif pour Haïti. Il faut attendre éventuellement la 51e législature. Ça va exister. Ça là va exister. Il faut attendre. En attendant que problème il faut attendre le 2e 2017 si élection il y en aura, n'a pas eu ça tout à l'heure, pour éventuellement pour une autre président qui a une autre vision avec d'autres parlementaires qui ne sont pas des raqueteurs. Pour nous, pour ces gens, c'est ces gens vraiment qui prennent ce pays. Et peut-être ça, ou qu'il y a bon chance, bon agenda, ou qu'il y a bon chance de gagner une production parlementaire. Et justement, nous plus accorder l'importance en cas d'émission, ça, sous mise à jour des codes de loi. Nous avons deux codes là, qui sont contrôlés là, parce que question contrôle là, nous, puisque le Parlement n'est pas institutionnalisé, si tant que l'IVIN dysfonctionnel par. Et mauvais comportement, députés et sénateurs qui eux-mêmes ont défendu tête au lieu de défendre la République, la nation haïtienne, le peuple haïtien. Ça pique avec moi, mais si c'est toujours lui. Qui pas élu? Bon, et il y a un doute sur l'élection. Bon, qu'on y a là, sénateur Steven, en Ovini, dans la loi qui est en souffrance, enfin, nous tombons dans l'actualité. Parmi la loi qui est en souffrance, vous avez parlé de deux, trois lois là, qui ont même beaucoup jamais abouti. La loi sur les frais scolaires, par exemple. Sur les frais scolaires que Kelly Sébastien a présenté. Mais il y a une bonne loi qui était en souffrance. Notamment, la loi sur blanchiment d'argent, qui a un rapport avec les questions terroristes au niveau international. Et justement, on a attiré l'attention publique là, que avant longtemps, on a ici un capable de transfert, ni faire un transfert. Sous l'international et banque internationale, pas les traiter avec banque locale, tout simplement parce que Haïti pas à jour dans le domaine bancaire, dans le domaine du blanchiment d'argent, dans le domaine de transactions et capital qu'a fait dans le pays avec l'autre. Expliquez-moi, ça relève loi sur blanchiment d'argent et pour qui ça Haïti pour qu'on vote loi ça. Bon, par rapport au terrorisme international et le combat qui est. L'Ivoire paraît simpliste, mais nous sommes un peuple de corrompus. Mais ceux qui sont au pouvoir, parce que le petit peuple qui est en bas, maintenant, il n'est pas dans la corruption. Il dit, bon, c'est peut-être qu'il y a une opportunité de faire le tout, s'il était au pouvoir. Donc, nous sommes un peuple de corrompus. Je veux dire, là, c'est le gain facile. Tout le monde qui est dehors là, qui a gardé machine à sirène, qui a descendu tête bœuf, prado, qui a descendu tout vite, tout noir, qui a monté sur eux. Mais il y a même un pilote de eux, dit, tête, qui est le chef tout pour me faire même bagaille là. On ne sait pas qui pourcentage, mais grand pile monde, parce que ou, finalement, ouais, chaque législature qui monte, les gars, il faut le faire. Ça fait partie de la corruption. L'absence de transparence, c'est comme ça que je ça, ou bien la non-transparence des transactions régulières de l'État, il contribue à ça. Donc, je veux dire là. Haïti n'est pas à jour. Le président de la République, en France, ou au Danemark, ou au Singapour, ou en Malaisie, ou aux États-Unis. Son patrimoine est connu, son patrimoine est public. Son patrimoine avant d'être élu et après son départ du pouvoir est public. Le patrimoine du sénateur Cruz, je veux dire à Ocabuel, le patrimoine du sénateur Rubio est public. Tout le monde connaît ce que chaque monde sait voit économiquement. Je veux dire là en Haïti là, ou aller dans l'ULCC là, ou demander pour le sénateur de la République. Mal pour moi de bon patrimoine trois derniers présidents yo chef là m'pa baoul m'a perdu job moi donc c'est là bah la commencé oui c'est le refus systématique d'être transparent de faire de la transparence au niveau de l'État les députés les sénateurs pas voter loi ça yo OK il a fallu les graphes d'éléphant de l'Haïti là font pression extraordinaire pour te voter la loi contre la corruption qui a oublié convention Gafi, c'est une instance financière internationale qui a contrôlé les différentes transactions. Mais là, on ici, il est venu par le gouvernement pression. Nous céder. Parlementaire, il a cédé à pression, il a couru votre. Mais le rapport de la commission anticorruption que moi, le sénateur Mélus Hippolyte a dirigé à l'époque, notre rapport était prêt depuis presque un an. Les gens ne disent pas voter.
il a fallu des menaces pour nous ne pas toucher nous moi ça ou pas faire ceci ou pas faire cela pour nous la fontaine et c'est même bagaille sur loi blanchiment etc. mais blanchiment il était pas passé là par contre pour nous à côté lié mais son refus systématique je veux dire là ce bail on pas oublier dans blanchiment déclaration patrimoine là il est obligatoire fondamental je veux dire n'a remé ou aller il y a 2 ans le directeur de l'USCC est passé au parlement pour la touriste lui dit nous à l'époque nous étions que 2 sénateurs, nous étions un seul, c'était un seul sénateur de la Fédération Patrimoine, était moi-même. Et puis, sénateur Mélius vient faire pour la suite. Je suis venu, je lui ai dit, monsieur, c'est 2 mouni de la Fédération Patrimoine. Le gouvernement, puis 4 ministres va faire. Je dis, ah, il a intéressant, peut-être le dit, en tant que journaliste investigateur, ou à l'université, vous demandez, dans 92 députés qui siègent là, et à 22 sénateurs qui siègent là, combien qui fait des déclarations patrimoniales. Et on t'a très surpris de ce chiffre de donc, loi blanchiment, il n'y a pas besoin de monde. Il n'y a pas besoin de publier. Ou du moins, pas. Donc, par les moyens tout pour nous traquer, on est lui-même qui finit faire contre trafic examiné, trafic commun, trafic drogue, et puis qui monte, par contre, on business dans Pétionville, et puis qu'on a la capital, capital sale là. L'argent sale là pour le passer dans l'économie normale. Mais ça arrive souvent. Et puis, qu'on y a mené avec ça lui-même qui vient, les deux fois le sénateur, et voilà que comme il a mené campagne, il est entré dans le Parlement. Mais ça arrive trop souvent au Parlement. Dans les législatifs là. Et ça puis, arrive trop souvent. On n'est pas capable de traquer Mounsa qui vient au potentiel criminel. Où on... l'autre problème, les instances de contrôle, comme l'ULCC et l'UCREF, là encore, c'est pour les problèmes de législation. Et pas qu'un président plus qu'un nommé ou directeur ULCC. Alors que le président nomme ses ministres, directeurs généraux, assez souvent qu'un volé pour lui. Donc, directeur ULCC, on a président filmé de là, on a pas dit président, premier ministre ou ministre financement, il volé lui, ou bien et conseiller là, c'est un qui a fait détournement. Donc, aux États-Unis, même grande démocratie qui modèle, moi, Mounsa, ou bien vous avez les Ombudsman et Honda, moun sa son moun wa pa bobel président pa papal son moun ki au-dessus de tout soupçon tout mais son moun ki non poste de puissance côté que li même li kap di président vin non gon ba et ki pa clair de rason patrimoine expliquez moi comme ça et président pa ka révoquer et assez souvent ouais cour des comptes c'est peut-être un meilleur modèle. C'est lui même le mandat des juges à la cour des comptes est de 10 ans et c'est pas président mais c'est le sénat donc vous avez beaucoup plus de chance pour être coudé pour faire un travail beaucoup plus simple, mais pas oublier, dans le temps, il y a tout le président qui a mis 10 membres pour décoller le 10 Sénat, Coupion, mettez, pour la première fois dans là ici, vous avez gagné un appel à la candidature, il y a eu des entrevues, il y a eu 3 experts qui pour aider le Sénat à évaluer, et en final, des 114 candidats, nous avons 20. Et il y a eu un vote démocratique. Maintenant, 10 pour nous développer un peu. Game bat vle là, voilà. Mais comme c'est la beauté de la démocratie, nous quittons le passé. Mais au moins, c'est 10 pour nous aller passer au crible. Et c'est pas n'importe qui n'a pas fait ou qui n'a pas eu mon monde, ou qui n'a pas eu mon monde, qui a eu soupçon de corruption sur lui. Mais quand même, c'est 10 personnes qui ont été votés par le Sénat. Donc, l'UCREF. Et je dis, à, et coup de compte, ben plus c'est arrêt de débat. Ouais, ça coup de compte, ben là. Et me fier de pour ça. Mais que m'a tendu, parce que tout récemment, son grand arrêt de débat pour toute République. En 50 ans, il y a eu 6 arrêts de débat. Bon, voilà. Mais depuis la Cour des comptes existait, c'est 50 ans, il y a 2 ans. Et me dit, il y a 2 ans, en 50 ans, il y a eu 6 arrêts de débat. Arrêt de débat, aujourd'hui, qui est soyez, 3 magistrats et gars communal. Pas de mon ministre qui dit qu'on arrête de bien. En 50 ans, ça veut dire que le pays n'a jamais été pillé. Il n'y a pas eu de voleur. Il n'y a pas eu de corruption. Il n'y a pas eu de corruption. Alors que depuis Dessalines a dit plus même pour ne pas quitter le relais. Eh bien, justement, donc. 1806. Là, pour aider la Cour des comptes, normalement, on ne peut même pas faire UCF, c'est non, si la Cour des comptes a fait travailler bien. Monsieur Latour, tu devines avec USC, par exemple, parce que pour lui, Cour n'a pas de fonctionnel, Cour n'a pas de livré, machin, tout ça. Mais un gouvernement qui a marché bien. Un coup qui a fait travail bien. Ou pas besoin de l'UCF, non? Bon, il y a des aidés quand même. D'ailleurs, c'est mon job de rêve, moi, c'est être directeur de l'UCF. Mais il faut mon président, un ministre de justice, un commissaire de gouvernement qui va accompagner mon job là. Sénateur Benoît, on nous tombe dans l'actualité. Puisque nous faisons une pédagogie pour nous comprendre comment le Parlement fonctionne,
avec le pouvoir exécutif là, vis-à-vis du pouvoir judiciaire là. Et nous avons même étendu à le pouvoir décentralisé autour, puisque le Parlement. Qui va exister eux. Qui est même jusqu'à. Je veux dire avant de dire, un maire d'une commune doit être surveillé, pas d'assistant, surveillé par l'Assemblée municipale. Oui. Ou est pendant 20 ans, principalement local. Oui, je vais faire l'élection pour nous. Et ça fait magistrat, je dis à magistrat, je les caisses de l'État sont vides dans toute mairie. Alors que. C'est l'Assemblée pour de... Assemblée, c'est l'élection pour approuver le budget. C'est l'Assemblée pour dire est-ce qu'on peut acheter machine. Très bien. Et c'est tout. Je vais précision ça. Il faut que nous allons pour les élections, nous allons voter des délégués de ville qui n'ont pas une loi qui régit la fonction de délégué de ville. C'est ça. Et le délégué de ville. Un pays qui n'est pas pris au sérieux, le délégué de ville est automatiquement membre de l'Assemblée municipale. C'est ça. Et c'est le délégué de ville-là que personne ne va le voter pour lui, personne ne va le dire sur lui. C'est le monde qui est plus puissant dans la commune, c'est celui qui va le faire. En entrant dans l'actualité, c'est clair que au grand pouvoir législatif qui est dysfonctionnel, pour toutes les raisons qu'on a évoquées là. Qu'on y a, ça rend tout que au grand monde dans notre pays, pour envirer le président ou pas envirer le président. Les gens qui relèvent le président sont capables de jouer une raison. Les gens qui ne peuvent pas relèver le président sont capables de jouer une raison. D'accord, président privé, c'est le président provisoire pays. Bon, il y a des ordres qui font. Mais vraiment, c'est, nous prenons les. Tout coûte la question. Il faut l'expliquer bien. Ça, même si nous prenons un petit temps, l'émission va un petit peu décaler parce que le 7 février, il y a un barré qui fait un petit peu en fait. Un président qui a dansé pendant toute l'année, ou pendant 5 ans, qui fait carnaval matin, midi, soir, qui fait près de 90 voyages à l'étranger, qui a monté, descendu, pour quel résultat nous ne connaissons pas, qui n'a jamais fait élection, maintenant m'écrit publiquement où elle est, m'écrit, me dit, monsieur, mais ça a pris, ça a pris, il va me faire élection. Finalement, elle fait élection, son hold-up électoral, c'était un vol électoral pour élection, pour faire régime, ça a fait 50 ans, à plumer pour là, parce que pour là, il n'y a plus de mort, mais continue à plumer pour là. Et, la population dit non, élection green sur les sapes faites. Ok. Au lieu de rien, moun qui fait des ordres responsables, m'bat quoi je moi des parlementaires de la République, tout parlementaire, descend au Parlement 7 février, y a le font fête pour le président. C'est du jamais vu dans l'histoire d'Haïti. Le 14 février, même groupe parlementaire ça y est, 92 députés sur 92, 23 sénateurs sur 24. Je me bats de descendre moi-même. Il y a eu une élection au second degré qui n'est pas prévue en quel côté de la Constitution. Le mot de président finit là. C'est ça, Mdabdo, tout à l'heure. Donc, son point de dissension. J'ai crié au scandale, mais la population est restée chez elle. Les leaders d'opinion n'ont rien dit. Personne ne va dire rien. Société a gardé chaque mois. Mais là, Mdabdo, quoi avant bon. Plusieurs leaders d'opinion, dont moi-même, nous avons parlé d'un coup d'État législatif ou parlementaire. Oui. Et effectivement, on voit que le processus là, oui, mais un pile moun, un coup d'État réel. Un pile moun qui a moi à dire, yo, pas dire rien. Le secteur économique, par exemple, parce que c'est pays à basculer. Mais comme chaque moun a un petit candidat dans le poche, tout le monde met à dire. Mais est-ce que ce n'est pas le moindre mal? Non. Puisque tu es une menace tout si le président Martelly te fait un jour en plus. Non, écoutez. Le Sénat, avec ses 24 députés, était déjà fragile. Et 24 sénateurs. Oui. Moi-même, j'ai absolument rien contre le président. Oui, d'ailleurs, dans le sénateur, je pense que c'est mieux préparé pour être président, peut-être. À part, mais c'est même des candidats. C'est ton mal, mais c'était le moindre mal. Même pas, je me l'ai dit comme ça. Mais Konya... Il y a eu, t'as des billets, il y a eu violation flagrante de la Constitution. Très bien. Moi-même, j'ai été voté pour respecter et faire respecter la Constitution en vigueur. Mais on ne peut pas faire un coup d'État tout pour respecter la Constitution. Pardon? C'est logique. On ne peut pas faire un coup d'État tout. Justement, maintenant, où est-ce que pour respecter la Constitution. Vous avez une situation exceptionnelle. Nous-mêmes, membres du G8, nous disons, comme ça va prévu du tout, en deux reprises, on a eu un juge à la Cour de cassation à prendre le pouvoir et à remettre le pouvoir rapidement. 90, 2004. Nous dit un point de la population en général. Mais pourquoi ça ne va pas passer? Bon, il ne va pas passer, mais parce que moi, je me suis toujours dit, je suis capable de dire là, oui. Depuis 2011, je me suis plaint du gros problème à la Cour de création. Personne ne va problème. Il y a eu fraude. Il y a quelques sénateurs qui présentent mi famille, qui sont dans le même département avec eux, bourrés, ils ont le président Martelly, qui battent même voter. Je dis, on met mon salaire dans la Cour de création. Mais c'est comme ça après le mois. Je m'appelle, je me suis dit, ça va régler.
Je ne connais pas ça. Tout le monde dit parfois, il va le faire plus devant. C'est ça. Je dis à là, il tape tellement simple le 8 février, on lui dit, comme il n'y a pas eu d'élection, et bien le président de la congrégation, il prend le pouvoir pour 8 mois, 9 mois, il organise des élections en octobre, et puis tout le monde tape au travail. Donc, Parlement, le 14 février, il va être le pouvoir. Le Parlement a violé la Constitution. Le parlementaire. Le Parlement a piétiné les lois en vigueur. Le Parlement. Le Parlement s'est autodétruit. Le Parlement s'est naturellement, on ne va pas reconnaître 5 février. On ne va pas reconnaître l'accord. On ne va pas reconnaître ni 7 ni 14 février moi-même. Maintenant. Non, mais on ne va pas reconnaître l'accord 5 février. Je n'ai jamais vu l'accord. Attendez. Beaucoup n'y a là. L'Assemblée nationale. On vient sous Parlement. Non, mais ça est important pour l'auditeur, oui. Attendez. L'Assemblée nationale, il a gagné, il a fait. Il a énuméré. Oui, oui. Il a gagné 10 barrières, il a fait. La Dani, ou a ratifié ou pas ratifié. Accords, traités et conventions internationaux. Ça fait l'autre jour, son petit deal entre trois amis, qui j'étais en parler, qui écrit à faire, il a signé à faire, et puis il a dit oui, on s'est entendu. Comment on s'est entendu? Bon, le sénateur de la République, je ne vais pas parler, on s'est entendu. Je ne comprends pas. Et puis, quoi qu'il y ait dans la Constitution, il dit pour gagner un accord politique entre trois nègres pour nous ratifier. Bon, ok. Un deal passé. Bon, le débat. Il faut le venir là-bas. Donc pour lui-même, par contre, président n'a pas l'air après 14 jours. Non. Pas de dire que le président n'a pas l'air depuis 14 jours. Là, on fait des autres là. C'est depuis 14 février, il était fait mal. Je veux dire, 14 juillet, 14 août, 14 septembre, mon président n'a pas l'air. Mais qui monte mal, qui fait mal. Maintenant, comme moi-même, Steven Benoît, sénateur de la République, je ne peux pas aller en parler avec moi pour me prendre privé, me dire, monsieur, en aller ou pas président. Je constate. Et puissant que grand monde qui n'a pas l'air, que population. Mais la prend décision. Et ça m'a dit que population accepte la pression dans nous, a fait budget, li parti la l'ONU, va aller dans nous bal frère, li gen sécurité, li gen tout le monde. Là, il y a un sommet. Là, il y a un sommet. Donc, moi, je me dis, ok, comme je n'ai pas moyen politique, j'accepte. Et récemment, il prend une décision, les peuples là. Oui, donc moi-même, qui pour moi, je me dis, ok. Je prends acte que mon monde privé, ses collègues, moi, président, la présidente, un homme, si je régularise la situation le plus rapidement possible pour privé, je prends une retraite libre, je vais faire cours, je vais retourner comme sénateur, et pour moi, gagner un président élu. Ok. Et moi, je dis, le président dit, pas de problème d'élection, il mettait sous une commission. C'est une bonne chose. Et tout là, c'est pas de bravo. Même on qui pour contre même pas ni pour ni contre, parce que pour moi, il va mal monter. Très sous ça. Mais au moins, il y a une commission présidentielle. Tout le monde a obtenu un rapport. Le rapport de la commission présidentielle est clair. Il n'y a pas eu d'élection. Il y a 620 000 zombies qui votaient. Si zombie a voté Jude, il a voté Jovenel. Zombie ça a voté tout député Montéo, tout magistrat, tout sénateur. Ils sont d'accord sur ça. C'est le même zombie. Oui, bien sûr. Sauf si. Où est le rapport là net et tout le monde dit qu'il est lié pour le rapport là. Et le rapport a conclu qu'il fallait reprendre totalement oui. Le processus électoral. Madame, alors, comme... président Berlin, j'étais monté dans la presse, du moins les élections présidentielles. Non, il m'a dit était... ça. Ah, c'est François Benoît qui a dit ça. C'était une erreur gravissime parce que ou pas qu'à finir un rapport ou pas une conclusion. Et puis, jour où on fait conférence de presse, ou pas une autre conclusion. Ou est-ce que la population en erreur? Mais ça, c'est plus grave en Haïti. Mais pas est-ce que monde en erreur? Est-ce que c'est pas nous qui avons mal compris ça? Dit? Non, il n'y a pas de gain pour parler comme ça. Il dit que Fonda reprend toute élection. Ou du moins. Allez, non, il dit ça, oui, mais ce qui a été rapporté dans les journaux à l'époque. Là, texto, ça, François. Oui, mais ce que la presse a rapidement rapporté, c'est que on va reprendre l'élection présidentielle, et tout le monde boit. C'est ça. Mais même dans le même dit non, pas ça, je dit. Et puis. Pas bien tout, quand même 10% mon bali. Même on dit qu'on n'y a pas li. Mais le rapport est clair. Moi, maintenant, toute émission, me dit non, c'est parce que dit ce que François Benoît a dit n'est pas ce qui a été ce qui a dit dans le rapport. Dans le rapport, il est clairement dit qu'il faut reprendre le conseil électoral. Maintenant, okay. Il y aura des victimes. Il y a un paquet de députés qui élus, qui bien élus, mais d'avoir des victimes. Mais c'est peut-être le prix à payer. Mais l'homme voulait prendre la bouille à son côté. Ou dit, on prend ça, on prend ceci. Ou là, finalement, le CEP est entré dans le rapport là, il prend parti qui est intéressé parce qu'il prend moins le Sénat. C'est ça, c'est CEP ça. CEP a parlé pour le sénateur. Comment comprendre que CEP a connu là, au lieu d'appliquer toutes les recommandations du rapport de la commission d'évaluation, lui-même, il choisit ce qui s'est politiquement
Non, la première chose. Pas trop chaud pour la lui. Première chose, l'exécutif a eu peur. Le président qui fait. Où mettons une commission pour travailler pour vous? Commission pour travail là. Mm-hmm. Le président, vous tranchez. C'est vous pour dire non, commission pour travailler là, ouais, puis là, mon nom est quoi qu'on fait? Ou bien vous appliquez le rapport. Vous appliquez le rapport. Le président est pour dire oui, il n'a pas appliqué. C'est le best pour dire oui, il n'a pas appliqué. Si vous ne voulez pas appliquer, vous démissionnez. Là maintenant, vous prenez petit, vous prenez quelques petites communes, là où on n'est pas ou pas fait, ou pas fait trois mécontents, trois ennemis, okay. Ou prenez quelques communes. Combien alors que mon paquet d'autres monde là, ou pas mon paquet de circonscription, vous avez une circonscription, pas de problème du tout. Ou moyen, côté qui a un pile problème non, ou pas moyen. Donc c'est un problème. Là, c'est que son politique de deux poids deux mesures en matière électorale. Non, et là encore, pas oublier non, du la fraude qu'on tout. Oui. Vous avez déjà fait là, il pourra le croquer dans un jour d'ici septembre ou octobre. Donc vous prévoir un CEP qui peut bailler la paix. Non, devant. C'est mal parti. Maintenant, le CEP aussi a un budget de 55 millions de dollars américains. Oui, il faut venir sur ça. Mais avant de venir sur ça, on nous garde le fonctionnement parlement. Comme si vous fermez une boucle là. Comme si vous sous quatrième convocation là, en Assemblée nationale, avec un pouvoir législatif, ou bien qui refusait réunir, ou bien qui pas qu'à réunir faute de courant. Bon, m'expliquons. Bah, qui j'en comprends nous-mêmes comme parlementaires. D'abord, est-ce qu'on fuit parlement? Est-ce que je fuis parlement? Oui. Non, je suis au Sénat tous les jours, je suis là matin. Nous sommes là. Même pas dans l'Assemblée nationale, et me dit population, mettez-moi là, vous connaissez qui pourcentage de gagner. Les gens qui te font confiance. Et oui. Je continue à faire confiance toujours là. Je ne suis pas candidat encore, même je continue à faire confiance. Je vais 5 mois pour continuer à livrer mon chédisa. Où est-ce que ça arrive pendant 10 ans, pendant 30 ans, 40 ans, les Assemblées nationales tout fait douce? Parce que bon rapport qui vient devant. Qui recommande ratifier ou pas ratifier l'Assemblée nationale et accord ou traité. On n'enlève pas une virgule d'un accord, traité, convention. Donc, ceux qui sont pour l'île, après débat ou lever mon doux, d'accord, bon, pas d'accord. Bon, n'a pas venu à une feuille de route de 15 articles pour demander à l'Assemblée à est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord. Chaque n'a pas d'accord, ça, pas d'accord, ça, pas d'accord, ça. Eh bien, justement, on ne peut pas voter. Non, mais regardez, ce les qui dit, n'ont pas gagné pour nous. Choisir ou bien monter feuille de route. Eh bien, justement. Eh bien, ça veut dire que nous choisissons jouer hors jeu. Justement. Est-ce que stratégie et le pouvoir législatif là, quitte ça pour quitte ça compte, c'est pas une stratégie hors jeu. Ça veut dire que ça, pas dans la démocratie mais parlementaire. Il y a un groupe là de parlementaires qui parlent d'élection. Parce qu'on est voleur de voler l'élection. Hein? Et d'abord, ils continuent à voler l'élection. Grain sous les aïeux Québéo. On a dit si on s'est fait, ils ont Québéo, ils ont parlé d'élection. Donc, ça, pas dans le fonctionnement parlement du tout. Ça, quoi, le fait n'a pas prévu à quel côté. Et là, comme jour, l'Europe. Donc, parlement pas capable tous siéger pour la dire, la voter ou pas. Non. Et président, tout menti par fond, l'a confirmé. L'Assemblée a fait le 14, t'es gagné un risque pour parlement exploser. Comme les gens qui ont job, tout le monde est pour le 92, le 92. Tout le monde est pour le et puis, il y a un groupe qui a gagné X candidat, un groupe qui a gagné Y candidat, un groupe qui a gagné Z candidat. Donc, tout le monde devine réglé, mais là, ils ont perdu. Et ça, oui. Il y a des gens qui, par contre, côté pour mon métier, minoritaire ou majoritaire? Non, je ne suis pas un personne. Je suis sénateur de la République. Chaque combat qui a fait dans le Sénat, je viens exprimer ma position. Je me perds, c'est ça, la démocratie. Je dénonce tout ça qui est illégal et constitutionnel. Mais qui est-ce qui a raisonné par le pouvoir législatif là, je veux dire? Bon, aujourd'hui, il y a. Pour prendre la marche. Non, aujourd'hui, il y a un bureau au fonctionnel du Sénat. Aujourd'hui, il y a un bureau au Sénat. Voter démocratiquement. Je suis vice-président en l'absence du président. C'est moi la présidence du Sénat. Le pas là. Lundi matin, le lundi 1er août, tous les sénateurs sont convoqués à 11h du matin en conférence extraordinaire. Mardi, il y a une séance. Maintenant, mardi. Séance en assemblée. Non, séance pour sénateur. Parlementaire. Mardi. Non, attends. Séance pour sénateur. Sénateur. OK. Maintenant, les députés, apparemment, ont même convocation en tout, dans la radio. Lundi, conférence des présidents. Maintenant, mardi, président de la Réche a fait séance. Si je ne fais pas de séance, je fais séance. Ou je ne pas venir dans la séance. Je publie la liste de gens qui ne pas venir, ou même je dis pourquoi ils ne pas venir. Mercredi encore, si nous entendons pour 11h, président de la Réche pas venir à 11h, à 11h avec deux autres bureaux, je monte, je fais appel nominal. Encore une fois, c'est 8 personnes qui viennent, je dis la presse, mais 8 personnes qui viennent, mais 14 personnes qui ne pas venir. Jeudi matin, encore une fois, c'est jour de l'Assemblée. Moi, je présente à l'heure précise. Et puis là, maintenant, on a qui va venir. On me dit, on ne pas venir parce qu'on ne parle pas privé, on ne parle pas de bon. Pour nous, sénateur. L'Assemblée nationale, maintenant,
c'est l'ARES qui préside l'Assemblée nationale, mais il ne fait pas l'Assemblée nationale. L'ARES est président secondé de deux secrétaires et choisi de deux secrétaires, six membres du bureau ça a eu chita, il y aura fait, mais qu'on a si pas un consentement consensus avec tous les autres sénateurs, six membres du bureau chita en bas, mon pape fini, moi-même il clair. Mais il y a 12 députés, maintenant nous sommes plus 24, nous sommes 22 sénateurs, a toujours bien au maximum. Quand on met 12 députés, 21 sénateurs. Depuis ces bagages, ça, les gars, fait là, Steven Benoît, pas la donne. Très bien. Donc, on y a, on nous regarde, qui j'en sais, fini, qui j'en ou prévoit que le pays a continué de fonctionner, côté exécutif, là, pour le président, pouvoir législatif, là, il n'est pas légitime, il ne peut pas continuer de fonctionner, puisque le 6 janvier 2017, là, là-bas, la millénette. Non. Un jour, le 10 janvier, bon, pas que le bagage président privé, qui a fait. Et ma recommandation au président privé qui sera encore mise sur papier lundi matin. Donc, demain, le monde a regardé l'émission là. C'est ça. C'est dialogue. Ok. Le président privé a un devoir historique. Le président privé a une façon. Lui-même encore. Il a un devoir. Non, c'est bon, pendant on dit le président. Il a une façon. Non, mais tout, il a. Ou le mandat pour le faire. C'est lui qui a ton palais. Ok. Je ne peux pas convoquer privé et les leaders de partis politiques. Je ne peux pas faire une invitation. Je vais inviter 15, 5 minutes. Parce que il y a un problème à Steven, mais il y a une autorité pour me convoquer PHTK dans nos réunions. Je vais inviter Anne-Valérie dans nos réunions, je vais venir pas venir. Je vais inviter Mme Maniga, pour plus de Mme Milford, et je vais inviter le sénateur Latortu, je vais inviter le sénateur Anakas dans nos réunions, je vais venir pas venir. Mais le président privé, c'est le capitaine de la Paix là, c'est le clair. Ok. Donc, moi-même, ma recommandation au président privé, qui est président, puisque la siège de parler avec tous les privilèges. Qui viennent avec, n'est-ce pas? D'accord? Il est au palais des privilèges. Corrèle le monsieur privé, nègre privé, mon paquet de rabbin n'est pas de barre bouchon, il est président de mon pays. Je ne peux pas le détruire. Non, lui doit. Même je représente Mandeli, il était en face lui, mais le mal n'est pas cette excellence président. Il était en face régime New York. Je dis, il m'appelle au téléphone, je réponds au téléphone, mais il fait des ordres. Vous avez dit, il fait des ordres là. Ok. La mode fait des ordres. C'est un peu comme ça. Et dernier point à aborder là. Donc, oui. Pour ça, le président doit faire une convocation ou une invitation à une douzaine, pas plus, de partis politiques représentés dûment au Parlement. Et nous connaissons. C'est OPL, c'est Fusion, c'est KID, c'est Tête Calée, c'est Bouclier, c'est AAA. Une dizaine de partis ou une douzaine. Ou invite les leaders, ou dit, monsieur, écoutez, il y a un problème pour messieurs et dames. Et DNP, la valasse, il y a un problème. Et le problème, je vais tout dire, ça oui. La constitution, il faut nous résoudre le problème constitutionnel là. Ça, là, on faut. Deux, la Cour de cassation, il y a deux juges qui ont siégé seulement. Il y a six qui ont siégé, mais c'est deux qui sont réguliers. Trois, le décret électoral, il faut mettre la loi électorale pour résoudre le problème électoral, ça pour raqueter, va rentrer dans le monde de votre gens. Quatre, et du décret électoral là, quatre lois sur les partis politiques qui a été bien voté à la Chambre des députés en 2009, en 2012, trois sénateurs qui ont baillé pression, ils ont réduit la constitution de parti à 20 membres. Depuis que 20 raqueteurs rentrent dans le bon bois, ils ont écrit un papier, ils ont dit qu'ils ont un parti politique, ils ont accepté. Alors que nous-mêmes, nous mettons un quota 2% de l'électorat sur les grands partis politiques, 2%. Je veux dire, on a 4 ou 5 grands partis politiques. Vous avez bien toute mascarade, ça n'est pas de permettre de dans la rue, il y a des grandes inscriptions. Oh, il vient inscrire pour le sénateur. L'autre jour là, il y a qui est là qui est le président, non pas moi. Oui, oui, c'est. Donc, ça veut dire que. Donc, là, il faut mettre de l'ordre. Et puis, cinquième point, il y a le problème de la ministre. Oui. Le problème de le mandat de la ministre est illégal et constitutionnel parce que ce contrat, cet accord a été signé par un premier ministre et la constitution en vigueur prévoit. Tout accord, convention et traité doivent être signés par le président de la République, ratifiés par l'Assemblée nationale. Voilà. Il y a 10 ans, je m'appuie ça avec l'honorable député Bobo. Avec moi, ça. Mais on ne nous écoute pas. C'est avec moi, ça, l'Assemblée nationale, là, on a fini, sénateur Steven Benoît. Et c'est un plaisir vraiment pour nous parler avant avec vous-même, c'est la parole fleuve sur le parlementarisme, sur le pouvoir parlementaire, sur le fonctionnement du Parlement. Mais c'est l'amour du pays qui me fait parler. C'est aussi l'amour du pays qui nous sent tout ça. Où dit depuis l'heure qu'on a commencé à qu'on s'est négazal. Oui. Il y a deux trois monde comme dans la radio Caraïbe qui vini qui dit si on bagaille yo proche Steven comme sénateur de l'Ouest c'est que Casal a mouri parce qu'il va pas jamais une bonne route alors que il va gagner fête patronale là en septembre. Oui. Il était prié toujours là. Émission analyse pour te parler avant. Bon minute pour parler. Bon minute bon garder dans yeux bon minute bon Casal. Mes parents sont des à Casal, moi je me dis que c'est Casal.
Malkazal depuis mon petit Malkazal tout temps mais Kazal fait une plus belle côté dans pays là. Nous gain chute d'eau, nous gain rivière, nous glacé. Est-ce qu'on caille l'autre bois? Chaque jour. Oui, j'habite là-bas, mon caille l'autre bois. Papa moui qui donc caille maman m'habite l'autre bois jusqu'à maman pour m'a pas la voir là, gado là, maman Kazal. OK. Et mon m'a pas la voir là, moi ma sœur n'a Kazal dimanche là. Okay. Et nous nous avons amour pour Kazal. Et fête Saint-Michel m'a raté depuis ma qu'on est 20 années. Ma sœur est devenue première dame de la République ni ma René Prival. Il descend l'autre bois. Nous disons qu'il faut faire pour Kazal. Et pour ça, il y a un téléco. Nous goumons, nous portons le téléphone à Kazal qui n'existe pas. Nous goumons, parce qu'il y a une lumière Kazal, parce qu'il y a un poule qui lumière Kazal, sur un Delco. Nous descendons, nous faisons, nous venons avec un groupe électrogène, EDH, vin Kazal. Maintenant, on paye moins de 100 gouttes pour 6 heures de courant par jour. Vin avec. Mon Kazal pour traverser cette ville, une rivière là, qui traverse le village là en deux. Nous mettons pont, nous avons président avec Jules Célestin, nous disons tout le monde merci là. Nous mettons passerelle, nous disons, ou pas qu'à faire, nous avons une route qui a passé, une machine qui a passé. On a eu le pont, nous disons Préval à Jules Célestin, merci. Et nous mettons goumé pour ça tout. Maintenant, nous avons une route là. Jacques doit exciter pour mettre route là. Il va me mettre en bail. Préval te dit, il a envie de faire, il va me mettre en bail. L'homme bon candidat au Sénat, je dis, nous n'avons pas venu me dire pour vote, le sénateur ne peut pas promettre une route que je ne contrôle. Je dis, je vais goumé pour me faire route là. Président Mandel dit la sanctionné comme mon facile Kazal pas jamais ou ça. Chose fait Kazal pas jamais ouel. Je dis là privé en monter mais c'est pour 3 mois privé supposé là. Dit président privé. Quand est pour ouais ce grand étude qui fait sur je me démener directrice DDO à Kazal, l'étude est faite sur la route de Kazal et me parle à directeur et ministre PTCA, il dit le coup un grand étude qui est faite et me parle à président République là sur route là, me parle à première mise sur route là. Mais je fais ça capable. Je peux aller dans 6 mois, je vais me commencer devant. Et même là, je suis sénateur encore, je vais accès à n'importe quel président. Que le Jude, que le Moïse, que le Marise, que le Bonan, je vais accès avec n'importe là-dedans pour continuer à rappeler mes amis. Je n'ai pas parlé de Haïti's Open for Business et touristes qui sont là. Il y a un plus bel lieu touristique pays à gagner, c'est Kazal. Je vais continuer à gagner pour Kazal. Très bien. Mais, pas de démagogie. Je ne vais pas regarder mon gars, je me dis que je faire route pour yon, alors que je vais coûter peut-être 10 millions de dollars, 15 millions, que moi-même, je ne vais pas décider sur lui. C'est le président et le gouvernement qui peuvent décider sur la route. Moi-même, je voulais Kazal gagner route là, je vais bénéficier de la route là tout. Parce que moi, j'ai bien Kazal. Donc, si je vais bénéficier, moi-même, moi, je m'habite dans le bois, si je cours dans le 8, je suis malade, je vais 86 ans. Quoi, ou non? Donc, je voulais route là fait. Bon, en tout cas, ou bien, la réponse qu'il faut. Peut-être pas c'est pas ça mon Kazal qu'on aimerait mes Kazal lors du mal élection là mon gagné tout côté tout bureau mon Kazal aimer me faire confiance pas tout gagne monde qui pas aimer on pas tout gagne monde qui grincheux pas tout gagne monde parce que c'est seul qui était première dame parce que c'est sénateur pas cousin qui était sénateur qui pas prendre mon mais majorité mon Kazal qu'on amour moi pour boucle là je pas oublier je parler et la dernière question ou pas présentant comme président de la République encore comme président. Non mais bon dit tout le bail de Kazal, on parle mon cabaret fait jalousie. OK. En 2011, élu sénateur de la République, 67% mon Kazal voté, 67% mon cabaret voté, on dit tout les deux merci et moi même on pas na fait Kazal cabaret pour mais son seul famille nous. Ça me devait clair sur ça tout. Mon Kazal et bouquet dit mon Kazal suspend bagarre nous pas fait cabaret, dit mon cabaret suspend pas parler mon Kazal là. Qui j'en fais pas candidat à la présidence dans 27 qui va le présenter là? Bon, je pense que la population sanctionne, je ne veux pas le président. Bah, bouquet, ouais, fou moi. Non, je suis candidat à la présidence, je suis 8e, je suis vexé. Je ne suis pas content. Comment pour 8e, je suis femme doudou, je ne suis pas de cop, je ne suis pas de candidat, député, magistrat, qui fait campagne, je suis sénateur. Donc, je suis allé, mal en élection, pour que je ne suis pas de outils pour me gagner l'élection. Okay. Et puis, toute population, tout le monde, je ne suis pas de cop, il est voté, puisque tout le monde est candidat. Je ne suis pas de monde qui a parlé pour moi. Sauf peut-être dans le côté de les lois, même fait tout le pays, mais dans tout le pays. Mais ouais, mais pas oublier, l'offre ou quand on fait campagne. Même pour deux exemples, moi je vais Mont-Saint-Nicolas, moi je vais Pont-Margo. Moi je vais Mont-Saint-Nicolas, milliers de gens liés à l'obtention, c'est tout le monde qui est en train de faire. Ils même là, ils vont en foule Mont-Saint-Nicolas. Mais moi je vais Pont-Margo, je ne vais pas en des milliers de gens viennent regarder qui est-ce qui s'y vient de Benoît. Milliers de gens sur place. Bel discours. Mais quand je parle demain matin, je suis un député candidat pour ma gauche, je suis un magistrat qui a fait suivi pour moi. Et le jour du vote, je ne vais pas oublier de battre le mandat.
raqueteur de prendre mandat yo m'pa gen cob raqueteur québécois yo donc même j'ai très peu d'argent donc l'on pas gen mandat donc pas mandataire ou pas gen cob ou perdu à l'avance donc soit 8e mais nous avons gagné 8 parce que nous pas de élection. Je vous prouver le rapport présidentiel à monter pas de élection. Comme Jude Zélecet est avec nous, il a résisté à une menace internationale. Je vous dis, comme il a eu beaucoup de courage de résister, c'est M. Fenou et Bonan. Donc, je dis moi-même, je vais supporter. Ce n'est pas moi-même, je vais même un pays. Okay. Et moi, je vous dis, je vais supporter. Je vais supporter l'autre monde. Mais moi-même, faut supporter 4 personnes. Je supporte Jude. Et moi, je dis population, tout, peut-être que ce ne sont pas pour elle, je ne suis plus candidat au Sénat. J'ai servi pendant 10 ans, fièrement, avec tout le conseil au Parlement haïtien, je suis dégoûté pour que j'ai pas fonctionné. Ok, d'accord. Je suis dégoûté. Merci, sénateur Sylvain Benoît, parce que tu as participé dans l'émission Analyse. Et je reste disponible pour mon pays. Merci beaucoup. Merci. C'est aux personnes ressources et tout. Sur la question parlementaire, mesdames et messieurs, nous arrivons dans un moment pour nous finir. L'émission analyse est vraiment ouais. À partir de diagnostic qui planté là, sous Parlement, ouais, Parlement, ou bien le système politique haïtien, il peut quoi réformer si c'est comme ça pour voir législatif, législature par législature, à fonctionner, à évoluer, puisque démocratie a chita sur la représentation, les chita son leadership, les chita son contrôle. Les chita sous confiance que la population doit faire chef yo et chef yo tout doit faire la population en confiance. Pas oublier non, démocratie c'est leadership, c'est contrôle, c'est confiance qui pour et c'est représentation, représentativité qui pour camper un système politique, un système l'état côté n'a dit liberté, égalité, fraternité. Bye bye tout le monde, émission analyse. C'est la semaine prochaine.